Hello les amis, bienvenue à Momentum Sans Frontières. Je suis vraiment heureux de vous recevoir ce matin. On va vivre, je pense, une réunion extraordinaire. Il va y avoir un temps de louange et ce matin, nous débutons une nouvelle série sur le Saint-Esprit. Et on va regarder un thème plus particulier sur le fait d'être encouragé, le Saint-Esprit, à un ministère qui est capable de nous restaurer et de nous relever. Et je crois vraiment que ça va être une source de bénédiction, une découverte pour beaucoup d'entre vous. Et je crois vraiment que ça va vous booster dans votre foi, ça va vous aider à aller de l'avant. Alors sans plus tarder, place à la louange et on se retrouve juste après pour le message. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien ce matin, qu'on est prêt à louer le Seigneur. On est prêt à louer le Seigneur ensemble. Je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes prêt à louer le Seigneur avec nous? Amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en commençant ce moment? Amen, on y va ensemble. Et 1, 2, 3, hey! Je t'exalterai.
J'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse réaliser quel guide extraordinaire on a avec le Saint-Esprit. Il est celui qui nous permet de repousser nos limites, d'aller plus loin que ce qu'on pourrait oser imaginer. Il augmente notre foi. Alors on va l'inviter dans nos vies encore ce matin. Présence de mon sauveur.
Jésus, tu es là. Quand l'orage gronde tout autour de moi, quand ma foi tarit, Jésus, tu es là. Je t'élève plus haut, au-dessus de toutes circonstances. Je t'élève plus haut, gloire à ton nom, tu es tout puissant. Jésus, tu es là. Il est là. Jésus, ta présence, c'est la paix en moi. Je trouve l'espoir. Jésus, tu es là. Plus de crainte en moi. Je suis rassuré. Je proclamerai, Jésus, tu es là. Je t'élève plus haut, au-dessus de toutes circonstances. Je t'élève plus haut. Tu le déclares, tu penses à ta situation, à tes circonstances, et tu vas réaliser qu'il est effectivement à tes côtés, agissant par son esprit. Amen. On va le déclarer ensemble. Alléluia. On y va, église. Tu es là, 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 tu es là. Tu es là, 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 tu es là.
que ça, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de commencer avec une vidéo comme ça. C'est tellement encourageant de voir ce que Dieu fait. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Ceux qui sont d'accord, par applaudissement, dites-moi si vous êtes d'accord. C'est tellement magnifique de voir des baptêmes, que ça soit sur Momentum, Sans Frontières. Il y a eu ici, il y a eu quelques temps, deux semaines de ça en arrière, sur Bruxelles, avec plus de 500 personnes qui étaient là-bas. Et à Pâques, on a enregistré l'album. C'est vraiment une grâce de Dieu, les amis. Est-ce que vous réalisez que c'est une grâce ce que nous vivons? C'est une grâce, c'est une bénédiction de voir Dieu qui agit, Dieu qui est à l'œuvre. C'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction. Et moi, en tant que pasteur, et j'espère toute l'équipe pastorale, et j'espère que toute l'Église est comme ça, on est encouragé par voir, on est encouragé quand nous voyons ce que Dieu fait. Ceux qui sont vraiment encouragés, faites un applaudissement, éclatez le plafond, s'il vous plaît, vraiment. Et Momentum Sans Frontières, c'est notre église sur Internet et tous les gens aujourd'hui même qui nous rejoignent, qui sont là sur Momentum Sans Frontières, qui sont aussi sur la plateforme momentumsansfrontières.com et qui nous rejoignent. Vous avez vu, ça fait des baptêmes, il y a des dizaines et des dizaines de baptêmes qui prennent place. Et là, ils sont connectés avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut les accueillir aussi, s'il vous plaît? Je crois que c'est important en tant qu'Église et en tant que personne de réaliser ces moments-là et de dire merci Seigneur de m'encourager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette réalité, malheureusement, parfois, nous sommes découragés. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il n'y a pas que des temps d'encouragement, il y a aussi, malheureusement, parfois, des temps de découragement, parfois, où les choses ne vont pas comme nous aimerions, et on a besoin d'être parfois boosté, encouragé, et peu importe d'ailleurs. Je me souviens d'avoir lu cette histoire d'un homme qui a été voir le médecin parce que ça n'allait pas trop bien, et il se sentait démotivé, il se sentait accablé, il sentait un poids, il avait un peu le vague à l'âme. Alors il le dit au médecin, il dit, voilà, je me sens pas très bien, je me sens vraiment accablé. Qu'est-ce que vous avez des choses? Et c'est un médecin, c'est un généraliste, c'était pas un psychologue. Alors il est là, il essaye de lui dire deux, trois trucs, et puis d'un seul coup il a une idée. Il dit, ah, j'ai appris ce soir qu'il y avait il y a un cirque là, et puis il y a un clown de renommée, Pagliacci. C'est vraiment, il fait rire, vous pouvez pas imaginer. Allez le voir, vraiment vous allez passer une bonne soirée avec votre épouse, vos enfants, vraiment ça va vous faire du bien. Et là le gars il le regarde, il dit, Pagliacci c'est moi. Et il y a parfois cette réalité, c'est même pas parfois, c'est tout le temps, il arrive que nous ayons besoin d'être encouragés. Et je crois que le découragement guette chacun d'entre nous. Il y a des mamans ici qui se retrouvent parfois seules, il y a des épouses trahies, il y a des époux trahis, il y a des gens où vous êtes submergés par le travail, à deux doigts de faire un burn-out, c'est compliqué, il y a de la dépression, il y a toutes sortes de choses qui viennent nous stresser, il y a une fatigue qui vient, parfois nous vivons de la discrimination, ça fait 10 fois que je postule pour un travail, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend ma place, et là j'ai compris que pour certains, j'avais pas la bonne couleur de peau, et j'ai beau me dire, ok, ça va aller, mais à un moment donné, ça devient découragement. À un moment donné, de vivre un échec, deux échecs, trois échecs, c'est décourageant. Je perds mon boulot, c'est décourageant. Et la Bible nous dit, il pleut sur tout le monde. Ça veut dire que nous allons vivre des bons temps. C'est pour ça que c'est important de savoir se réjouir quand il y a des temps d'encouragement, quand l'Église vit, ou quand je vis, ou quand ma famille vit de belles choses. C'est important de savoir se réjouir afin que nous puissions nous en souvenir quand ça va moins bien. Parce qu'il y a aussi des périodes où la pluie tombe, et ça va moins bien. Et lorsque nous nous retrouvons dans un état de découragement, j'ai remarqué ceci, tous c'est comme ça, c'est l'être humain, les choses simples deviennent compliquées. Je me souviens un jour d'une femme, d'une épouse, elle était avec son mari, ils avaient une entreprise, et elle s'occupait de toute la partie comptabilité, administration. Et elle me disait, alors que c'est une femme dynamique, c'est pas du tout quelqu'un qui se laisse vivre, vraiment, elle avance, et elle a un gros caractère. Et là, elle disait, j'étais tellement, à un moment donné, j'étais tellement découragée, elle me disait, juste le fait de payer une facture, de faire un chèque, et de prendre le chèque, et de mettre ça dans l'enveloppe, et de l'envoyer, j'avais l'impression que c'était une montagne à faire. Alors qu'en réalité, c'est tout simple.
Je me souviens un jour d'un couple de personnes âgées qui nous ont reçus avec mon épouse, et la dame me dit « Excusez-moi, j'aurais voulu vous inviter beaucoup plus tôt, mais en ce moment, juste de recevoir une personne ou deux personnes à la maison, j'ai l'impression que c'est une montagne infranchissable, tellement que ça me paraît compliqué. » Et là, juste pour me dire, elle me dit « Vous savez, quand j'étais jeune, le dimanche, je recevais des tablées de folie, quoi. On pouvait être 15, 20, 30 à la maison et je faisais à manger pour tout le monde. » Elle dit, maintenant, je suis tellement découragée, je suis tellement dans une période de ma vie, c'est compliqué, que juste de recevoir quelqu'un à la maison, j'ai l'impression que ça va me noyer. Et il arrive parfois que nous soyons tellement découragés que nous avons l'impression qu'on va se noyer même dans un verre d'eau. Alors la question que l'on peut se poser ce matin, est-ce que Dieu est capable de nous relever quand nous sommes dans ce type de situation ? Mieux, est-ce que Dieu a prévu une assistance pour personnes en danger ? J'ai intitulé mon message de ce matin, « Courage, le Saint-Esprit sera avec toi ». C'est un bon titre quand même, hein ? Regarde ton voisin, dis-lui « Courage, le Saint-Esprit sera avec toi ». Courage, ne perds pas courage. Ne perdez pas courage, vous qui êtes devant votre écran, ne perdez pas courage. Là où tu es, même si tu es seul, le Saint-Esprit est avec toi. Et nous allons rentrer dans ce mois de mai, qui est aussi le mois où il va y avoir la Pentecôte. Nous allons rentrer dans toute une thématique, tous les dimanches, ainsi que le temps de jeûne et prière, une thématique sur le Saint-Esprit. Nous allons regarder son œuvre, nous allons regarder sa personne, nous allons regarder qui il est. Nous allons prendre cette thématique et la frapper dans tous les sens pour que nous puissions en ressortir grandis. Courage, le Saint-Esprit est avec toi. Il était avec toi, il est avec toi et il sera avec toi. L'apôtre Paul, nous allons regarder une lettre, la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, va exposer quelque chose qu'il a vécu et il va même exposer comment il a pu s'en sortir alors qu'il était dans un état de découragement intense. Lisons ensemble. Nous refusons que vous soyez dans l'ignorance, amis, de la difficulté que nous avons rencontrée dans la province d'Asie. C'était tellement difficile que nous ne pensions pas pouvoir y survivre. Nous avons eu l'impression d'avoir été envoyés à la peine capitale, que tout était fini pour nous. Mais en fin de compte, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Au lieu de faire confiance à notre propre force ou intelligence pour en sortir, nous avons été contraints, c'est comme ils n'avaient pas eu le choix, de faire confiance totalement à Dieu. Ce n'est pas une mauvaise idée, finalement, puisqu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Et il l'a fait. C'est-à-dire qu'il se considérait, la dernière issue, la peine capitale, c'est la mort, je vais mourir. Mais il l'a fait, il l'a ressuscité, il a ramené l'espoir et il l'a fait, il nous a sauvés d'une mort certaine. Et il le refera, il le fera de nouveau, nous sauvant autant de fois que nécessaire. Vous et vos prières faites partie de l'opération de sauvetage. Je refuse que vous soyez dans l'ignorance à ce sujet non plus. Je peux déjà voir vos visages élevés en louange pour la délivrance que Dieu nous a accordée, une délivrance dans laquelle vos prières ont joué un rôle crucial et tout le monde dit Amen. Je crois vraiment que notre Dieu est celui qui est capable de nous sortir des faux pas où nous sommes, de là où nous sommes en train de trébucher. Et l'apôtre Paul dit, j'ai vécu quelque chose qui m'a amené dans une souffrance extrême et je pensais que la seule issue à ce que j'étais en train de vivre, c'était la mort. Et on voit à travers ce texte que finalement, en tant que chrétien, nous pouvons faire face à des épreuves accablantes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que Dieu est avec toi qu'on ne va jamais vivre des temps de souffrance, malheureusement, qui vont être extrêmement accablantes. Et je crois qu'il est important de réaliser que malgré tout ça, Dieu a prévu un plan de sauvetage. J'aime cette expression, un plan de sauvetage. Vous savez, quand tout va bien, parce que l'apôtre Paul dit, j'avais l'impression que j'étais tellement accablé, littéralement, à l'extrême, il dit, je pensais que la seule issue à ce que j'étais en train de vivre, c'était la mort. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que quand ça va bien, tu ne penses pas à la mort. Okay ? On n'a jamais vu quelqu'un un matin se lever en disant « Qu'est-ce que je suis heureux en ce moment, j'espère mourir ce soir. » Non ? Personne ne se dit ça.
En fait, je me souviens même quand j'étais jeune chrétien et qu'on me parlait que Jésus allait revenir, je disais waouh. Même si le ciel, c'est génial, ok? Vous connaissez le dicton, hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne veut mourir. Hein? Wow, même si le ciel, c'est génial, attends que je me marie quand même, tu vois? Attends que je me marie, puis une fois que t'es marié, Seigneur, attends pour ton retour, attends que je fasse des enfants, j'aimerais avoir des enfants, tu vois? Et t'es sans cesse en train de repousser. Parce qu'en fait, dans ta vie, quand ça va bien, t'as pas envie d'aller au ciel, tout de suite en tout cas. Ok, t'auras le temps pour ça. T'as envie de vivre les choses ici-bas. Et il n'y a que ceux qui passent par un temps difficile, qui sont acculés, qui sont littéralement accablés de manière extrême, qui voient la mort comme une solution et une issue. Quand on a perdu quelqu'un que nous aimions, un être cher, un époux, une épouse, un enfant, il y a quelque chose qui vient nous déchirer. On n'a plus le goût de vivre. Je n'ai plus envie de vivre. Quand tu es malade, je ne parle pas d'un torticolis qui a duré 24 heures, mais que tu n'es même plus capable de lever ton bras, tu es tout le temps dans ton fauteuil, tu ne peux plus bouger, et ça fait des mois, voire des années. Tu es tellement dans une souffrance que tu as l'impression que la seule issue à la délivrance de ta souffrance, c'est la mort. Et des moments, c'est ce que nous pouvons vivre et ce que certains chrétiens vivent également. Alors je sais qu'on aime tous se retrouver, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais je sais qu'on aime tous se retrouver, waouh, c'est génial, on lève les mains, la joie, l'amour, waouh, avec Jésus, c'est le fun, etc. Et je le crois. Mais il y a aussi cette réalité, parfois la vie, c'est compliqué. Parfois la vie, c'est dur, et on a l'impression que la seule issue à ma problématique, c'est la mort. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, j'étais tellement accablé, j'attendais la peine capitale. Il s'est passé un miracle. Et les choses ont changé. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, je me suis retrouvé dans une église, et là, il y avait 700-800 personnes. Et je me souviens, je me retrouve dans cette réunion. Et puis là, il y a une personne qui avait un don de l'esprit, et puis il dit, voilà, je ressens que quelqu'un veut mourir. Et là, on le partage au pasteur. Puis le pasteur arrive, et puis moi, j'étais tout jeune chrétien. Donc je me dis, wow, des chrétiens qui veulent mourir, ça n'existe pas, ça. Et les chrétiens, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est le fun, c'est tout ça les chrétiens. Et là, le pasteur, il prend ça au sérieux, il avait de l'expérience, et il fait un appel. Voilà, on aimerait identifier, il y a peut-être des gens qui veulent se suicider ici, et j'ai besoin de savoir qui c'est pour qu'on puisse vous suivre, pour qu'on puisse vous aider, pour qu'on puisse prier pour vous. Et donc, il fait un appel, et là, j'hallucine. Une quarantaine de chrétiens se lèvent, qui avaient des pensées de mort et qui voulaient se suicider, dont une épouse de pasteur. Et je me souviens, je vois ça, ce jour-là, j'ai perdu une partie de ma naïveté. Hein. Je vois ça, je regarde ça, et je me dis, ah oui, il y en a qui sont tellement, même si ce sont des enfants de Dieu, se sentent tellement accablés par des épreuves, par des maladies, par toutes sortes de choses qu'ils vivent, que la seule chose qu'ils entrevoient pour sortir de leur souffrance, ils n'espèrent plus rien sur cette terre, ils attendent juste d'être là-haut. C'est comme, il n'y a pas d'autre issue. Et c'est ce que Paul dit, il retrace une partie de sa vie. Et il dit, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ça. J'aimerais vous dire que c'est juste tout le temps génial. Non, mais ça, j'ai besoin de vous le dire. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance de ces choses-là. On a tellement été accablés qu'on s'attendait à la peine capitale. On n'avait pas l'impression qu'il y avait d'autre chemin que la mort. Et en plus, malheureusement, de ces difficultés-là que nous pouvons vivre, là tu te dis, ben, quand je vis des difficultés comme ça, je vais le partager autour de moi, et là, gloire à Dieu, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des gens qui vont me dire, mais lâche pas, on est avec toi, on est à tes côtés, on va t'aider à faire le pas de plus. Et là, en plus, quand tu lis ça, et quand tu regardes tout le contexte de la lettre de Paul aux Corinthiens, en plus, Paul est obligé, littéralement, de réfuter des insinuations de gens qui disent qu'il n'a pas vraiment de ministère. Tu te dis, c'est fou quand même de penser ça de l'apôtre Paul. Je pense que tout le monde aimerait avoir l'apôtre Paul dans son équipe pastorale. Okay? Je pense que si l'apôtre Paul était là, je m'assois et je l'écoute. Hein, vous comprenez? Là, c'est l'apôtre Paul. C'est celui qui a écrit les deux tiers des épîtres du Nouveau Testament. Il a prié pour un mort qui est ressuscité. Il a bâti toutes sortes d'églises, etc. C'est juste, waouh! Tu te dis, tu ne peux pas le critiquer, cet homme-là. Il y avait des gens qui le critiquaient. Et là, il était en plus, non seulement il était accablé, mais il était en plus de son accablement, de tout ce qu'il vivait, les persécutions, les coups, les prisons, les naufrages, les jeûnes forcés, de tout ce qu'il vivait. En plus, il y avait des chrétiens qui lui mettaient la tête sous l'eau. Et j'ai remarqué, il y a toujours des champions du monde, des moments qui font ça dans les églises. Pas ici.
C'est vrai, j'en ai pas vu beaucoup. S'il y en a deux, trois, il faut que tout ça, ça sorte. Pas les gens, la mentalité. Il faut qu'elle sorte, la mentalité. Mais comprenez ceci. Ça a toujours été ça. Je me souviens, quand j'étais pasteur de jeunesse, il y avait un jeune couple qui était là. Et ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient mariés. Et ils n'arrivaient pas à avoir un bébé. Et la jeune fille, elle était mais complètement accablée. C'est, je suis stérile, moi mon rêve c'était de fonder une famille. C'était, elle était dans un état de désespérance, mais vraiment élevé. Et en plus de ça, il y avait des chrétiens qui étaient venus la voir, lui donner une parole de Dieu, en lui disant, c'est parce que tu dois régler certaines choses dans ta vie. C'est terrible ça, tu vois. Déjà, j'aimerais juste dire à tout le monde ici, on a tous des choses à régler dans sa vie. Il y a des gens ici, vous n'avez plus rien à régler. Parce que si il fallait, pour être béni dans sa vie, que tout soit réglé, on serait tous des célibataires ici. Hein, vous comprenez? Donc c'est fou de dire ça à quelqu'un. Et donc elle était complètement accablée, elle était en larmes, elle vivait un moment d'épreuve intense. Et là, au lieu d'être étirée vers l'eau, il y avait des gens en plus, ils lui mettaient la tête sous l'eau. Comme l'apôtre Paul, il vivait des moments d'accablement et en plus il reçoit des paroles. Non mais de toute façon c'est parce que tu n'as pas vraiment de ministère toi. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Job. Vous connaissez Job? Job vit un moment d'accablement intense et là, il a des amis. Bon, il y avait au moins des gens qui étaient autour de lui, c'était déjà ça. Mais ses amis lui disaient, si tu vis ce que tu vis, c'est parce que tu as dû faire des choses pas très bien. Vous savez que les amis de Job ont fait des enfants, des petits-enfants, jusqu'en 2023. On a besoin d'être tiré vers le haut. On a besoin d'être encouragé. Et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit accusateur, c'est le diable qui condamne. L'Esprit de Dieu convainc, lui. Il nous restaure, il nous relève, il relève notre vie. Et même si notre vie semble comme un jardin dévasté, la Bible nous dit, il en fait un jardin d'Éden. Il prend les murailles qui sont en ruine et il les relève et il les redresse. C'est ça que fait notre Dieu. Et là, on voit que Dieu va le secourir et Paul va divulguer son secret. On voit déjà dans un premier temps, il y a des gens qui ont prié pour lui, mais il va aller un peu plus loin et il veut faire comprendre, parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, frères et sœurs. Donc il va aller un peu plus loin et il va divulguer le secret qui lui a permis de s'en sortir alors qu'il pensait qu'il était fait pour la mort. Regardez ce qu'il va dire. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Regarde ton voisin et dis-lui, perds pas courage. Perds pas courage. Non, dis-lui, ayant ce ministère, ne perds pas courage. Alors, on pourrait se poser la question, quel est ce ministère dont parle l'apôtre Paul? Moi, dans une première lecture, la première fois que j'ai étudié ce passage-là, les premières fois même que je lisais ce passage-là, j'ai cru qu'il parlait de son ministère. Ayant ce ministère d'apôtre, je ne peux pas perdre courage. Je suis un chef, je suis un leader, j'ai un ministère de direction, j'ai un ministère apostolique. Tu comprends que je ne peux pas perdre courage. Si moi je perds courage, t'imagines, tout le monde va perdre courage. Si celui qui est la locomotive perd courage, alors tous ceux qui suivent derrière, ils vont tous se dire, mais c'est terminé. Donc moi j'en faisais une application pour ma propre vie et je me disais, ayant ce ministère de pasteur, je ne peux pas perdre courage. Parce que si je perds courage, l'Église va perdre courage. Imaginez que je vienne un dimanche matin, alors que la louange vient de terminer, et moi là j'arrive et je dis, Seigneur, j'aimerais vous dire, j'en ai marre de ma vie. Je suis fatigué. Les épreuves me fatiguent. Vous me fatiguez. Internet me fatigue. Non, vous imaginez? J'aimerais vous dire, même si un jour je suis fatigué, je ne le dirai pas comme ça. Hein. J'irai voir des gens spécialisés qui vont m'aider. Je vous ferai grâce de ça. Mais est-ce que vous comprenez? Moi, je croyais ça. Donc, je me mettais une charge sur mes épaules quand je... Ayant ce ministère, tu es toujours obligé d'assurer, mon gars. Un peu comme une fois, je discutais avec une maman et son mari, il était dépressif et ses enfants, ce n'était pas la joie. Et elle, c'était la seule finalement qui allait très bien dans la famille. Elle avait double job, etc. Et elle bossait extrêmement fort. Et elle me disait, mais je ne peux pas m'arrêter. Si moi, je flanche, tout flanche. Et des moments, on a cette pression sur les épaules. Je ne peux pas perdre courage ayant ce ministère. Mais en fait, l'apôtre Paul ne parlait pas de lui. L'apôtre Paul ne parlait pas, littéralement, il ne parlait pas de son ministère à lui. En réalité, Paul parle d'un autre ministère. Regardez ce qu'il dit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit
vivifie. L'Esprit redonne la vie à ceux qui étaient morts. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, c'est-à-dire les lois, a été glorieux, bien que passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Amen. En fait, Paul ne parle pas de son ministère à lui. Il parle du ministère des ministères. Il parle du ministère du Saint-Esprit. Et je crois que j'ai noté ceci, au-delà de nos épreuves, le Seigneur nous a confié le plus précieux des ministères, celui de l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit, littéralement en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le mot paraclète. Ça veut dire celui qui se tient à nos côtés. Ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur, ça veut dire consolateur. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que nous avons ce ministère, nous avons l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, il vous est préférable que je parte. Parce que quand je suis là, je suis limité dans un corps d'homme. Mais lorsque je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer un paraclète, quelqu'un qui va se tenir à vos côtés. Mais il ne sera pas uniquement sur une personne, il sera sur le pasteur, il sera sur chacun d'entre vous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposait uniquement sur quelques personnes. Et en règle générale, c'était les leaders. Moïse, il y avait l'Esprit de Dieu qui reposait dessus. Et on voit, il y a certaines personnes, mais le peuple ne l'avait pas. C'est pour ça que des moments, on lit, on se dit quand même, ils exagèrent les gars. La mer rouge s'ouvre en deux, les 10 plaies d'Égypte, et ils passent leur temps à se plaindre. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Comprenez-vous, il n'y avait que Moïse qui l'avait, le Saint-Esprit. Or, le jour de la Pentecôte, c'est ce que Joël avait prophétisé des siècles plus tôt, le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le pasteur qui a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Qui que tu sois dans ce lieu, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avons reçu ce paraclète. Et quand nous vivons des combats, alors il est notre consolateur. Quand je me sens accablé, quand des gens parlent mal de moi, il est mon avocat, il est mon défenseur. Quand j'ai besoin d'être enseigné, il est celui qui m'enseigne, il est celui qui me guide. Et nous avons ce ministère dans l'Église qui habite dans chacun d'entre nous. Et tout à l'heure, nous repartirons. Il y en a, vous allez aller au sud, d'autres, vous allez au nord, mais on repartira tous avec l'Esprit de Dieu. Et ce ministère sera agissant dans nos vies, et ce ministère est le ministère le plus important de l'Église. C'est important, les ministères pastoraux. C'est Dieu qui les a voulus. Les ministères comme Momentum Academy, où il y a des gens qui forment, ministère de louange, ministère de l'enfance, ministère, enfin bref, il y a tous les ministères que nous voyons dans l'Église, ils sont bons, ils sont voulus de Dieu, ils sont agréés de Dieu et ils permettent à l'Église d'avancer. Mais comprenez bien ceci, tous ces ministères-là sont inférieurs au ministère de l'Esprit. Le ministère le plus important de l'Église, c'est le ministère de l'Esprit. Celui qui agit, celui qui nous montre la voie, celui qui nous révèle les choses cachées depuis toute éternité. Et Paul comprend que sa force, dans ce moment où il a été accablé d'une manière extrême, il va comprendre que sa force ne vient pas de ses propres capacités, ne vient pas de son gros caractère. Non, sa force vient de se connecter à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et cet Esprit va le vivifier. La lettre tue. Ça me condamne. J'ai l'impression que je suis le moins bon des hommes, la moins bonne des femmes. Mais quand je me connecte à l'Esprit de Dieu, ce qui me condamnait d'un seul coup ne me condamne plus et l'Esprit vient me vivifier. Je me connecte au Saint-Esprit et la sève nourricière de l'Esprit de Dieu envahit mon âme, envahit mon corps et me redonne la force, me redonne le courage d'aller de l'avant. Et que tous ceux dans celui qui croient que le Saint-Esprit est agissant disent « Amen » s'il vous plaît et applaudissent bien fort le roi des rois. Je le crois. Quand je suis fatigué, je me connecte à Dieu. Je me connecte à ce ministère. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu as un trésor en toi. Est-ce que tu le savais? Il y a un trésor en toi. Et des moments où nous vivons notre vie chrétienne sans réaliser que nous vivons avec un trésor dans notre vie. Et quand nous sommes accablés, ce ministère vient nous vivifier. Bien sûr, on a besoin de la prière des frères et des sœurs. C'est ce que Paul dit. Votre prière, je ne veux pas que vous l'ignorez, a joué un rôle crucial. Mais maintenant, comprenez bien ceci. Quand Paul vit les persécutions, quand il est dans un cachot enfermé dans une prison, il est tout seul. Il sait qu'il y a des gens qui prient pour lui, mais à ce moment-là, il est tout seul. Il n'y a pas d'Anne Lutten qui vient lui faire la louange.
Il n'y a pas Patrice qui vient lui prêcher un message. Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui vient lui faire des soins pastoraux. Il est tout seul. Et la seule chose, c'est ce qu'il dit. En fait, heureusement que j'ai vécu tout ça, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais littéralement me connecter à lui. Je n'avais pas d'autre force que celle-là de me connecter, d'aller chercher au fond de moi l'Esprit de Dieu qui est là, et j'ai été vivifié. Le ministère de l'Esprit m'a restauré. On ignore tellement ce ministère, mes amis. Et il habite en chacun d'entre nous. J'ai noté ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En fait, malgré notre faible humanité, Dieu nous a donné le ministère de l'Esprit. J'ai noté ceci, nous sommes des vases d'argile. Mais à l'intérieur de nous brille la lumière de Dieu. Malgré nos faiblesses et nos imperfections, nous portons en nous un ministère puissant et transformateur. J'aimerais juste finir en vous donnant brièvement, rapidement, trois courtes pensées sur ce ministère de l'Esprit qui agit sur nos vies. Premièrement, ce grand ministère de l'Esprit-Saint est en nous. Regardez ce qu'il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. En fait, quand Paul dit « vous êtes des vases d'argile, vous êtes des vases de terre », c'est ce qu'il y a de plus bas, les vases de terre. Quand Paul dit ça, écoutez bien, il n'est pas en train de vouloir régler un problème d'orgueil. Tu vois, il se dit « oh là là, il faut que je le rappelle qu'ils sont que de la poussière, ils vont retourner à la poussière, c'est juste de la terre. Hein. On a été fait avec de l'argile, je vois qu'il y a quelques orgueilleux parmi nous, il faut que je règle le problème. Hein. Il y en a, ils se prennent pour de la porcelaine de Limoges. Non. Il y en a, ils croient qu'ils sont en inox, il y en a qui croient qu'ils sont en or. Non. J'aimerais vous dire, vous êtes que de la terre. Non, c'est pas ça. Ok ? En fait, pourquoi Paul parle et donne cette symbolique, cette métaphore sur le fait que nous ne sommes que des vases d'argile ? C'est parce que l'argile est quelque chose de très faible, de très friable, de très cassable. Et l'apôtre Paul dit, nous ne sommes que des vases d'argile. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il est normal, mes amis, qu'en tant que vases d'argile, nous passions par des temps de découragement. Il est normal que parfois nous nous sentions extrêmement faibles. Nous ne sommes que de l'argile. Il est normal parfois qu'il y ait des fêlures qui soient là, il y ait des choses qui soient un peu cassées, il y ait des choses qui soient un peu rapiécées. Mais Paul dit ceci, même si nous ne sommes que des vases d'argile, nous contenons le Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes remplis de la présence de Dieu. Et quand bien même j'ai toutes sortes de fêlures, l'Esprit de Dieu est là. Il y a Matthieu, vendredi soir, quand j'ai prêché la première fois le message, il m'a écrit ceci, et en plus il me dit, et plus on est fêlé, et plus ça laisse passer la lumière. Mais c'est ça la réalité. Nous sommes avec toutes nos fragilités, mais l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Et quand bien même je suis fragile, Dieu est là pour m'encourager et me donner la force. Également, je demandais aux musiciens, si vous pouvez revenir s'il vous plaît. Ce ministère de l'Esprit Saint nous renouvelle de jour en jour. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, ok, les vases d'argile, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La destruction, mes amis, du corps, de la fatigue, de tout ce que nous pouvons vivre, elle est inévitable. Vous savez qu'on a une date de péremption. Hein. La Bible dit, c'est David, je crois qu'il dit ça, c'est le chemin de tout homme, on y va tous. Hein. Et on le sait, mais malgré le fait que notre corps s'abîme, que les épreuves arrivent, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Un jour, un vieux pasteur disait ceci, m'a toujours fait rire d'entendre ça. Et il comparait son corps à une habitation. Et à son âme, il la comparait à un locataire. Et quand on lui posait la question, comment vous allez ? Il répondait toujours, la maison se déglingue, mais le locataire va bien. Est-ce que vous avez remarqué que la maison se déglingue ? Il y en a, vous êtes jeunes, vous n'avez pas encore remarqué. Il y en a, ils sont un peu plus avancés. Ils ont remarqué que ça commence à se déglinguer là. Ce qui est important,
c'est que le locataire aille bien. Quand bien même je vis des temps de combat, des temps de difficultés, je crois que l'Esprit de Dieu est là. Et je suis au bénéfice du Saint-Esprit qui, même si mon vase est en train de se casser, même si mon vase parfois est éprouvé, je suis rempli de la grâce et de l'onction de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi nous vivons avec une nouvelle vision. Et regardez ce qu'il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Toujours dans le même contexte. Je sais que la maison se déglingue, je sais que parfois on est accablé, je sais que parfois nous perdons courage et que la seule issue qui nous semble plausible, c'est la mort, c'est que tout termine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis, il y a en nous l'Esprit de Dieu. Alors plutôt que de regarder tout ce qui ne va pas, j'aimerais te dire, marche par la foi et non par la vue. Un jour, il y a un homme, John Wesley, il y a quelques siècles en arrière, c'est celui qui a, le premier qui a fait les églises évangéliques. Et là, il était avec un ami, ils étaient en train de marcher ensemble. Et son ami était découragé, il lui dit, mais toi, tu fais comment quand t'es découragé? Et là, il voit au loin, ils étaient dans la campagne, et il voit au loin une vache qui avait la tête au-dessus d'une palissade. Il lui dit, tu sais pourquoi la vache, elle a la tête au-dessus de la palissade? Non, pourquoi? Il dit, parce que si elle ne regardait pas au-delà, si elle avait la tête baissée, elle ne verrait rien parce que la palissade est devant elle. Donc elle regarde au-delà, elle regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Je marche par la foi et non par la vue. Je regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais que je suis accablé, je sais que parfois c'est difficile, mais je mets toutes les grâces, toutes les bontés, toutes les bénédictions de Dieu. Je regarde combien le nombre en est grand. Et je me dis, c'est vrai Seigneur, il y a eu des combats, mais il y a eu des victoires, il y a eu des joies. Jamais tu ne délaisses qui se confie en toi. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Tu gardes mon départ et tu gardes mon arrivée. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué. C'est vrai que parfois le vase se brise de tous côtés. Mais je marche par la foi et non par la vue. Je garde espoir. Parce que je sais que Dieu ne me délaissera jamais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez mes amis, celui qui va gagner à la fin, c'est pas le chômage qui va gagner, c'est pas la discrimination qui va gagner, c'est pas le divorce qui va gagner, c'est pas les guerres et les bruits de guerre qui vont gagner, c'est pas la famine qui va gagner. Celui qui va se lever le dernier sur la terre, c'est notre Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quelles que soient les choses qui se passent, c'est notre Dieu qui aura le dernier mot. C'est pourquoi nous ne sommes que de simples, c'est un petit résumé du message que j'ai fait, nous ne sommes que de simples hommes, des vases de terre, mais Dieu a choisi de déverser en nous son Esprit Saint. Même lorsque les épreuves nous accablent, nous pouvons compter sur le ministère du Saint-Esprit pour continuer à avancer avec courage et confiance en sa grâce. Amen. Dieu ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins. Il y a peut-être des gens qui sont dans ce lieu. Le soir avant de rentrer à la maison, tu restes tout seul dans ta voiture. Les larmes coulent, tu ne veux pas que les enfants voient parce que tu vis toutes sortes de complications. Et tu es là et tu te sens seul et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire, Dieu t'a donné le paraclète, celui qui se tient à tes côtés. Tu ne le vois pas, c'est un autre invisible, c'est un autre silencieux, mais il est à côté de toi dans la voiture. Et même quand tu perds courage, même quand tu es dans ton lit en train de pleurer parce que tu souffres, même quand tu ne sais pas comment tu vas faire pour joindre les deux bouts, il est à côté de toi, il ne t'abandonne pas. Et même quand tu n'as plus la force de prier, la Bible nous dit que nos larmes sont des prières pour Dieu. La Bible nous dit même que l'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit de Dieu en nous, parfois ça m'est arrivé moi, j'avais plus la force, ça vous est déjà arrivé? Vous avez envie de prier mais il n'y a rien qui sort, il n'y a que des larmes qui sortent, il n'y a que des soupirs qui sortent, mais la Bible nous dit que Dieu intercède. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Parfois on se tient devant Dieu, la seule chose qui sort c'est des soupirs, Seigneur. Et tu ne peux pas faire des phrases, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, il n'y a pas de terme élogieux, tu n'es pas en train de sortir tes plus grands mots théologiques, il y a juste des larmes, il y a juste des soupirs. Mais le paraclète est à côté de toi, le ministère de l'Esprit est à côté de toi pour te relever, pour te restaurer, pour t'encourager, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où nous sommes, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et juste là où tu es, commence à lever tes mains devant Dieu. Dire, Seigneur, je ne suis qu'un vase. Tu vois toutes mes fêlures. Tu vois tous mes échecs.
Tu vois toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie. Tu vois mes problèmes de santé. Tu vois mes problèmes, mes échecs. Tu vois la discrimination que je peux vivre. Tu vois, Seigneur mon Dieu, combien j'ai été trahi en amour. Tu vois tout ce qui me tient à terre. Mais je sais que quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec moi. Que ma coupe déborde, Seigneur. Remplis le vase. Remplis le vase que je suis, Seigneur. Là où tu es, commence à prier. Seigneur, remplis mon vase. Même si ce n'est qu'un vase de terre, toi devant ton écran, commence à dire, Seigneur, remplis mon vase. Remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi de ta présence. Que l'œuvre du Saint-Esprit agisse dans ma vie. Viens changer l'atmosphère dans ma vie. Seigneur mon Dieu, restaure ce qui est brisé. Relève ce qui est abattu. Prends le jardin dévasté et fais-en un jardin d'Éden, Seigneur. Alléluia, là où tu es, commence à prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, agis, Seigneur notre Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand Alléluia, il descend, Seigneur. Il descend. Oui, Seigneur notre Dieu. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert, il y a transfert entre ciel et terre. Tu me décharges, tu me relèves. Quand il Alléluia, descend, crois-le. L'atmosphère change. Par la foi et non par la vue. Il y a transfert entre ciel. Très simple ce matin, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, ceux qui sont là, ceux qui sont devant leur écran, juste dire si ce message fait écho dans ton cœur et tu dis j'ai besoin de recevoir ce matin une touche du Saint-Esprit dans ma vie, d'être touché littéralement, d'être connecté au ministère de l'Esprit dans ma vie, de le ressentir comme jamais auparavant, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, des mains partout à travers ce lieu qui se lève certainement devant les écrans aussi. Et j'aimerais prendre un temps pour prier pour chacun d'entre vous. Il y a une équipe de prière, j'ai demandé à toute l'équipe de prière de venir sur le devant, aux équipes de pasteurs qui sont là, les équipes de prière, c'est les responsables de groupes de maison, des leaders de venir sur le devant. J'ai demandé à tous ceux qui ont répondu à cet appel, sortez des rangs et venez sur le devant. On va prendre un temps ce matin. On va prendre un temps pour prier pour toutes les personnes. Approchez-vous sur le devant, ne bloquez pas les allées. Approchez-vous sur le devant, le plus devant possible, s'il vous plaît. Approchez-vous. On va prier pour vous et on va continuer avec Marie-Laure, avec toute l'équipe.
équipe, à chanter, à célébrer, à louer. Et j'aimerais dire à tous ceux qui restent au fond, juste également de prier en même temps que vous allez louer, adorer Dieu, ou en même temps, en attendant que quelqu'un vienne prier pour vous, continuez à louer, adorer Dieu. Marie-Laure va nous conduire dans ce temps. On va déclarer que le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, tout peut arriver. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Dieu fait une œuvre par la puissance de son Esprit. Alors juste là où tu es, prie pour les gens qui sont sur le devant. Commence à louer, adorer Dieu et déclare par la puissance de l'Esprit. Ce lieu, il va y avoir un échange entre ciel et terre et la puissance de l'Esprit va se manifester. Dieu va redonner la vie à ceux qui semblent morts. Il va souffler du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et les paralytiques, alléluia, vont être restaurés dans le nom de Jésus. Alléluia. Puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance.
Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui guérit. Ton ministère de l'Esprit, le ministère de l'Esprit est agissant. Jésus est retourné à la droite du Père, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné l'Esprit de Dieu qui agit. Un ministère puissant, capable de restaurer, de convaincre, de relever, de bouleverser la vie de chacun. Je voudrais qu'on puisse finir avec ce chant, cette déclaration qui dit « Remplis-moi, inonde-moi de ta présence, que je puisse me sentir connecté à l'Esprit de Dieu comme jamais auparavant. Je ne veux pas me sentir connecté uniquement quand je viens à l'église le dimanche matin, quand je regarde une vidéo sur YouTube, mais je veux me sentir connecté à l'Esprit de Dieu chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie. J'ai besoin de le sentir, ce ministère agissant. Et j'aimerais que, juste là où nous sommes, que nous puissions tous le déclarer dans ce lieu. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à le dire? Remplis-moi. 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 Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi. Oui, Seigneur, inonde-moi. Inonde-moi de ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. J'aimerais prier, faire une prière collective. Il y a encore un temps de prière tout à l'heure pour ceux peut-être qu'on n'a pas encore prié. Il y aura une équipe de prière qui va se tenir sur le devant. Mais j'aimerais faire une prière collective. Et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus, avec plus de panache s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi car je crois que tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as donné ton esprit, qui signifie à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Oui, je crois que je suis le temple du Saint-Esprit et que cet esprit en moi a un ministère et il agit dans ma vie pour me consoler, pour me relever, pour me guérir, pour être mon avocat, mon consolateur et mon défenseur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et tout le monde dit amen et applaudit bien fort le roi des rois. Alléluia. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers cette réunion. Si vous avez été encouragé, pensez à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et puis merci également pour votre générosité financière, tout ce que vous donnez à monoffrande.fr. Grâce à vos dons, nous pouvons faire des vidéos de qualité, mais bien au-delà, comme vous avez pu le voir dans la réunion, sur Momentum Sans Frontières, il y a des baptêmes qui prennent place, que ce soit ici, à Bordeaux, à Bruxelles et aux quatre coins de la francophonie. Alors merci pour votre générosité et tout ce que vous faites
pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.